Salut tout le monde, c'est On accompagné de Wotoku. Je sais quoi ce cri. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau braquage des classiques vol de diamants. C'est parti, je vous laisse expliquer comme d'habitude. Alors, donc c'est un braquage, donc on va dire compliqué, parce qu'il y a pas mal de choses à gérer. On va vous expliquer. La map est un peu de taille moyenne. Ça va être compliqué. Il y a, je crois, une dizaine de gardes, des civils. On va vous expliquer là où il faut aller, là où il faut pas aller et comment optimiser le temps. Bien. Eh bien oui, Jamie. Allez, allez Marcel. Allez, on y va. Bon allez, c'est parti. Donc là vous allez spawn dans un coin de la map. Je crois il y a trois positions, mais là on spawn nickel, on spawn au meilleur endroit. Maintenant vous prenez un body bag, c'est important. Wesh, c'est quoi la tenue? Ouais, on a des tenues un peu d'infiltration, c'est nous. Donc là on a la zone, on a la cuisine. Attention, 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 attention. Donc là où nous sommes, ce sont les escaliers, c'est une zone un peu safe. Bon, moi je connais la map par cœur. Essayez de comprendre. Je pense que je vais vous laisser faire de votre côté pour découvrir la map. Là nous avons un boîtier. Donc ça met beaucoup de temps, je crois, ça met 2 minutes, ça met 2 minutes 30 à être piraté, mais on s'en fout. C'est pas important. Donc la vidéo va durer 30 minutes. Ouais, parce que voilà, la map elle est compliquée. Donc là, vous voyez là-haut, il y a une fête, là-haut, là, juste là-haut. N'y allez jamais, n'y allez jamais. N'y allez pas. C'est interdit. Donc là nous avons la salle de sécurité, il y a trois. Je vous conseille, dès que vous la trouvez, vous la. Attends, ne tue pas le garde, ne tue pas le garde, laisse-moi. Voilà, ne le tue pas, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, quand une fois je l'ai tué et j'ai pas pu répondre au beeper, donc vous lui dites de se rendre, il se rend. Voilà. Très bien, donc là vous allez me dire, c'est bien, t'as qu'un boîtier, c'est bien, mais c'est quoi l'objectif principal? L'objectif principal, c'est de trouver le code, la keycard, pour ouvrir l'énorme coffre. Donc là, pour l'instant, je vais essayer de trouver les PC. On va passer par les escaliers, parce que sinon... Sinon, on y est toujours. Donc vous inquiétez pas pour les boîtiers, hein. Au fur et à mesure, Ben va vous dire, y a un boîtier juste à côté de vous, et il va vous marquer, là, vous voyez le truc jaune là-bas, là, c'est le boîtier, donc là, on s'en fout. C'est fait, c'est clair. Donc, pour les PC et le code, donc il y a 3 PC. Il y a 3 PC et vous devez absolument noter la couleur. Donc là, le rouge. Donc il faut une feuille. Attends, il faut une feuille. Putain, j'ai pas préparé. Et on est très sérieux, hein. Point stylo. Oh, c'est pas grave, j'ai un crayon. Alors, 7. Voilà, donc là on a un PC, donc enregistrez bien les points de spawn, c'est important. Aussi, il faut que je trouve le mec costard blanc. Vous allez me dire c'est qui? Bah, c'est celui qui possède donc la keycard pour pouvoir ouvrir le coffre. À un moment donné, il va vous le marquer, mais je vais essayer de le trouver en avance. Vous gagnerez peut-être un peu de temps. C'est écrit en haut, il y en a 12, 13, un truc comme ça. Il y a beaucoup de gars. Ouais, non, mais c'est... Ils ont craqué. Ouais, ils ont craqué les devs, là. Donc là, il peut y avoir un PC juste ici. Et heureusement que je suis agile, parce que sinon je me ferais avoir. Je suis agile, t'es agile avec le clavier. Ouais, c'est ça, oui, mais c'est. Bah, tu vois, regarde, t'as vu, t'es tellement nul, regarde. Oh non, il a cassé la fenêtre. Quelle fenêtre? Je suis pas cassé. Mais là, bah. Et regarde. Et hop, là, tu vois, il a vu la fenêtre. Espèce de merde. T'es une merde! C'est toi. Je rigole. Mais mec, ça commence bien. Le mec, il est pas capable de tuer un garde sur toute la merde. Mec, il est trop dur, le braquage. On balle le corps. Il emballe pas le corps. Mais je joue avec un bouffon. Ah si, je le fous. Vas-y, viens. Bon, je disais, voilà, faut faire attention. Il y a des gardes partout. Il était tiré dans les fenêtres comme l'autre là, il vient de le faire. L'autre. Eh, vraiment. Je change d'équipe, moi. Non, tu dégages. T'as intérêt à faire un joli montage sur cette scène, hein. T'as intérêt. Non. Bah ben voilà. Et ben voilà. Ben là tu vas pouvoir t'amuser au monde. Hein, putain. T'es content? Allez, on se retrouve à tout de suite pour la suite.
Donc voilà. Du coup, la personne qu'on cherche en blanc, elle ressemble à ça. Il faut juste vous prenez sa carte d'accès. Sinon, on se retrouve ici parce qu'on a trouvé un PC. Ah, vas-y, je l'active. Active le PC, ouais, dis-moi le nom. Donc ce mec, c'est un Alors, civique qui se balade. Il y a un 8. Ok, 8, nickel. Tu peux. Vas-y, tue-le. Vas-y, mon petit! Tue-le! Trop de tension, j'ai. Et c'est quelle couleur le 8? Deux fois, ok, un autre. Bien. Nickel. C'est quelle couleur? Je vais le noter, donc, ok. Deux. Alors, green. Green, 2. Bon. Du coup, bah en fait, là, il reste plus qu'à trouver le dernier PC, et puis on est bon. Hein. Voilà. N'y a pas, recule, parce que tu vas te faire difficulté, parce que pas le niveau. Tu dis que je suis une merde, ça fait. Donc tu y es. Ah, bloqué. C'est bon, je l'ai trouvé. Je suis bloqué, oui, Donc voilà, j'ai trouvé le dernier PC. Alors, c'est le 1. Voilà, c'est le 1, le bleu 1. Donc là, une fois que vous avez trouvé ça, vous devez attendre que le boîtier soit hacké. Et si vous n'avez pas commencé le piratage, il faudra le commencer. Et quand les boîtiers seront hackés, vous pourrez accéder à la zone du coffre, passer la keycard et rentrer le code. Et vous faire des thunes. Parce qu'on aime ça. Et vous faire des thunes. Est-ce qu'on aime ça, l'argent? Et voilà. Voilà, donc là, vous devez accéder à la zone du coffre. Donc, vous faites ma technique. Vous allez là, vous faites un petit saut. La technique à Bibi. Attention, fais gaffe, parce que Bibi peut se repérer comme une merde aussi. Alors, attention, ne fais rien, parce que si vous rentrez un code mauvais, c'est alarme. Faut rester concentré. Alors, rouge, on avait dit le 8. Hop. Vert, on avait dit le 2. Et bleu, c'est le... comme tu bouges. T'as vu comme je le dis, oui, mais c'est très cool. Et voilà, à nous les pépettes. Et on a fait ça en 5 minutes, on a fait ça. C'est rapide, hein. Ouais. Hop. Ne cassez aucune. Ne cassez, vous les coupez. Ne cassez rien. Ne cassez rien. Parce que sinon, c'est à l'arme. Aussi, vous pouvez avoir une petite salle avec un coffre à percer et vous aurez un truc qui s'appelle le diamant rouge, un truc comme ça. Ça donne 1 million. Malheureusement, c'est rare et on. Là, vous avez juste à faire 4 allers-retours et en plus, on a le meilleur spot parce que c'est le plus proche. Vous devez faire attention, faites attention aux gardes qui peuvent. Vous le jetez dans le petit cercle. Et je pense que cette vidéo elle va être rapide. Hein. Et bah voilà, braquage terminé. Bon voilà. C'était facile. Voilà. Bon, du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bientôt. On sait pas quand. Ciao, ciao. A plus.